Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en deuxième phase de déconfinement et je profite d'un paysage juste à côté de chez moi. Je vais vous montrer. Il y a quelques jours, j'ai ouvert ma dernière boîte de Fujifilm Color. Et aujourd'hui, je voudrais faire quelque chose d'abstrait. Vous voyez cette route juste derrière moi? On verra ce que ça donne. Ici, j'essaie de bouger toutes les parties de la chambre. L'idée est d'obtenir les flux en avant et la netteté en arrière. Je vais contrôler la dernière fois mes appuis. Vous voyez, il y a une partie d'ombre ici. C'est parce que j'ai basculé trop vers le sol. Par contre, dans la situation actuelle, ça ne pose pas de problème parce que l'image de Polaroid est plus petite. Ça devrait finir ici. Je vais insérer les deux Polaroids. Tout doucement, avec grande attention. C'est fermé. Et a priori, c'est tout est prêt. Il nous reste à mesurer la lumière. J'utilise un flashmètre très simple. Je vais quand même passer à F22. C'est que nous donne un 1/30. Ici, je ferme la diaphragme à F22. La vitesse donc 1/30. Je ferme l'obturateur. Ici j'installe le déclencheur. Et j'essaie toujours de la déclencher pour regarder si ça marche. Il nous reste à retirer les volets de protection du dos. Parce que bleu et déclenché. Voilà, c'est fait. Je vais remettre le volet de protection. Et je retire les dents. Attention. Et voilà, l'étape suivante est le développement. Aujourd'hui, nous avons entre 10 et 15 degrés, mais il y a du soleil, donc je vais compter plus ou moins 3 minutes. On retire tout doucement. Voilà. Donc ici, juste attention. 3 minutes. Je vais les mettre dans la partie ombre pour ne pas trop exposer le soleil. Je vais retirer tout doucement. Tout doucement, je vais vous montrer. Comme ça, on va faire ensemble. Je vous présente notre résultat. En avant-plan, nous avons obtenu le flux. Par contre, l'arrière-plan, il est très net. C'est les champs du blé ici. Il y a beaucoup de fleurs, mais pas encore fleuries. Il faut revenir. Merci beaucoup pour votre attention et belle journée à vous.